groupe a décidé d'organiser cet événement qui, je dois le dire, procure beaucoup de fierté et de plaisir parce que ça correspond très concrètement à ses valeurs et ça permet de mettre ses valeurs en action au jour le jour. Des valeurs de solidarité, de cohésion, d'engagement. Le groupe PPCE a un objectif très clair, un recrutement de 500 collaborateurs, 500 personnes en situation de handicap sur les trois années 2020-2022. Une expérience inédite qui nous déroute un petit peu dans un premier temps. Ça permet de changer notre vision du recrutement, de se concentrer davantage sur son profil et ses compétences. Ça permet de se recentrer sur le candidat, sur son profil, sur ses besoins, ses envies professionnelles, tout en faisant tomber les a priori qu'on peut avoir lors d'un entretien traditionnel. C'est une manière intelligente de fédérer les personnes, que tout le monde se rencontre dans un cadre moins institutionnel. C'est vraiment très enrichissant d'un point de vue humain. Un événement fantastique qui permet de vivre le handicap l'espace d'une journée et du coup de mieux se comprendre. Je trouve vraiment ce concept très très intéressant et très en accord aussi avec les valeurs du sport paralympique, de l'handisport de manière générale. J'ai un objectif, c'est de faire changer les regards sur la différence en général. Et cet événement, Into Job, a vraiment ces valeurs-là aussi, de montrer aux personnes du grand public qu'être en situation de handicap, c'est pas toujours facile, mais qu'on peut faire des choses juste incroyables comme le sport. L'image que donne BPCE est une image très positive du groupe parce qu'elle permet de montrer que c'est un groupe engagé, mais qui est tout aussi engageant.